Salut à tous et à toutes, c'est Spuffy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le troisième épisode de ce Let's Play sur Days Gone. J'espère que vous allez très très bien, moi ça va plutôt bien. Du coup, dernier épisode, on s'était arrêté quand on avait ramené les bandages à notre ami Boozer, hein, bien évidemment. On devait justement dans le dernier épisode aller chercher des bandages pour Boozer et retrouver notre fameuse bécane. Bien sûr, on nous l'a volée. On est allé au camp qui est d'ailleurs il est où le camp? On est allé au campement là, ouais, au camp de Copland, du coup bah, on a vu que notre moto était complètement éclatée. On nous l'avait retirée, on avait enlevé toutes les pièces. Bref, du coup on nous a prêté une autre bécane pendant ce temps, et Copland nous a dit, donc le chef hein, bien sûr, le chef Mark Copland, le chef nous a dit, si tu veux avoir une belle moto, etc., est-ce que tu peux m'aider? Il y a des mecs dans un campement. Est-ce que tu peux leur dire bonjour? Leur mettre un peu des doigts dans les fesses. Moi, j'adore mettre les doigts dans les fesses des gens. Donc, c'est parti. On va essayer de s'occuper de ces petits gens-là, hein, bien évidemment. Et puis, comme ça, après, on va avoir une nouvelle bécane. Donc là, pour l'instant, je pense que Boozer va se reposer tranquillement. Nous, ce qu'on va faire... Bon, on va tout simplement aller au campement. On a plusieurs missions. Hein. Je me rappelle bien, là, il fait jour. Waouh, putain, obviously, quand même. Hein. Faut aller par où? Eh ben, super. Il faut aller par là. Je regarde vite fait. Parce qu'on a, on a plusieurs... quand on crève de faim. Localiser le camp ennemi. Donc voilà, ça, c'était pour le camp de Copland. Donc, je vous rappelle, on a de l'XP, de l'argent. On a pas mal de trucs à gagner. Et c'est assez complet comme jeu. C'est vraiment pas mal. Donc ouais, on va faire ça, je pense. On va faire ça tout simplement. Let's fucking go, my friend. On va y aller, on va se mettre archi bien. Hop, on a la petite... Ok. Attendez que je me remette un peu bien. Ok, ça c'est pour marquer les ennemis. Ça c'est pour les armes, que je me remette un peu dans le bain, les gars. Ça c'est pour tirer, ça c'est pour quoi? C'est pour faire ça, ok. Je vais juste baisser le son parce que je suis en train de crever actuellement. Ok, c'est bon. Allez. Ouais, tu peux y aller. Ok, il fallait appuyer. Attendez, je baisse le son. Voilà. Ok. On se souvient que la moto, c'est pas le truc le plus maniable. Hein. Allez, let's go. On n'a pas encore de nitro. Sur notre ancienne bécane, on avait de la nitro. Oula, il y a des loups. Oh, attends, il y a un truc là. Ouh, il y a un petit truc là. Ça me plaît, il y a un truc là, il y a un point d'interrogation là. Ah, il n'existe plus. Ok, bah les couilles. On se casse. On n'a pas que ça à faire, nous. Raccourci en plus. Ah, en plus, on peut pas... Ah, ok. Ah, on peut pas... Putain, il m'a fait peur, ce fils de pute. Wouah! Vas-y, et toi, je vais te planter, sa mère. Je vais te planter, ta mère. Oh, mais... Il a failli me tuer, mec. Ah, on a un menu rapide aussi. Oh. Mec! Mec, j'ai failli me faire tuer par un loup. Il m'a fait trop peur. On vient de commencer, on a failli se faire tuer par un putain de loup. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu, les gars. Voilà, mon pote. Oh là là. On a failli se faire tuer par un... Par contre, le couteau... éclaté, le couteau. Hein. Ok, on peut pas fabriquer. Ok. Hey Dick, ça roule. Je t'ai fabriqué. Bien sûr, Dick. Si jamais tu veux passer. Ouais, mais non, vite fait, là. Je vais voir un petit campement, okay. Mon petit... Je passerai plus tard. Bien sûr qu'on passera plus tard, Boozer. On n'a pas que ça à faire, on a un campement à faire. Putain, ça commence bien hein, cet épisode. Hein. Ça commence très très bien. Bon, on va aller là-bas. On va pas se fier aux points d'interrogation, etc. C'est peut-être des missions. Ah bah c'est juste devant nous. Non, on va pas y aller. On va d'abord faire notre petite mission. Parce que moi j'ai bien envie de récupérer une bonne moto. Quoique celle-là elle est pas mal en vrai. Hein. Franchement tranquille. Hein. On se pégimbe. Tu vois. Donc du coup, on a vu au dernier épisode qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire sur, euh,
Sur la moto, ça doit être. Bah, c'est un truc quand même très important pour se. Pour se déplacer. What the fuck? Ah ouais, du coup. Ah, mais du coup, je l'ai fait tomber, putain. Il faut que je la répare. Oh! What the fuck? Ok, d'accord. Bah super, hein. Super en tout cas, nous, hein. On est bien. Allez, vas-y, on va jouer avec cette arme-là. J'ai jamais joué avec cette arme-là. Retour à la furtivité. Ok, ok. Ok, ouais, mais ça, on connaît les fines herbes. Enfin, les fines herbes. Elle est où, l'autre? Il y a un mec, là. What the fuck? Ok, ouais, ok. Mate ça, mec. Bim! Alors, salope! C'est elle qui m'a tiré dessus, hein. C'est elle qui m'a tiré dessus, petite connasse. Oh, la violence. La violence du mec. Oh! Mais non. Mais non. C'est quoi, ça? Quoi? Attends, tu veux me dire que là... Mais j'ai pas de mun. J'ai pas de mun, mec. Putain, il m'a laissé une arme, mais j'ai pas de mun. Ils m'ont donné une putain d'arme. Ah, mais quoique, je vais... Oh, frérot, mais c'est trop bien. Je peux pas les stacker, ça? Dans une espèce de... Comment dire? Dans une espèce de... Je peux pas... Oh, Max. The fuck. Moi, j'aurais bien voulu stacker ces armes, là. J'aurais vu une AK-47, mec. Ok. Ok, mec. On va y aller en mode discrétion. Par contre, comment tu fais pour te déplacer? Pour, tu sais, faire ça. Et là. Genre, tu vois ce que je veux dire? Te mettre contre le truc, là. Je me rappelle plus comment on fait ça. Y'a des mecs en haut ou pas? Y'a personne. On va y aller en mode discrétion, les gars. C'est pas notre truc, la discrétion, mais on va le faire. On va le faire, les gars. Je vous le garantis. Oula, j'ai entendu un lapin. Pas du tout. Il parlait à moi, lui? C'est quoi? Ok, je vais jeter une pierre. Va chercher la pierre! Retour. Je sais pas comment on se met à couvert derrière ce truc là. Il va voir son pote mort. Je sais plus comment on se met à couvert. Bon, bref. Oula. Il est mort. Ta gueule, il est mort. Il est mort. Tais-toi. Ok. Et encore. Ok, ces deux-là, on les a tués. Ils ont pas des armes cool là? Ok, deux chiffons. Putain, le mec avait des chiffons sur lui, quoi. Ils sont pour se branler la queue. Super. Oh, la machette. Hé, la machette artisanale. Oh, ça va découper des bras. Il faut être en mode discret parce que dans ce jeu, je le rappelle, hein. Oh. Est-ce qu'on peut one-shot avec une arbalète? J'ai envie de faire le test, hein. On va faire le test. On va faire le test, on va se rapprocher. Parce qu'il y a du bullet drop, hein, les gars, bien sûr. Pour ceux qui savent pas.
Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la balle va redescendre en fait. Attends, toi, je vais te le mettre dans la tête, mon pote. T'as plus beaucoup de munitions. Enfin. Ok, il faut mettre 2 balles. Il faut mettre 2 balles. Il y a d'autres gens par là? Je vais garder ma machette. Oh merde, attends. Je vais garder ma machette. Merde, il était où le mec? Ah, il est là. Comment ça, il n'ira nulle part? Il y a personne, frérot. Il y a personne. Oh putain. Accroupi. Oh mon pote. Il y a personne, les gars, il y a personne. Putain, il y a un mec qui est en train de crier là. Putain, où il est? Tu l'as perdu? Ah, ils savent que je suis là, ok. Ils savent que je suis là en fait. Je vais mettre un petit caillou là. Tu vas aller voir là-bas, toi, si j'y suis. Quoi? Mais, hé, hey, va là-bas! Il y a un caillou là. Ok. Les hommes approchent. Tiens, coup de machette. Oh, c'est trop fort la machette. Il y a un mec en haut. Viens, 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 viens. Viens mon pote. Ok, lui on... Ah mais c'est trop fort la machette les gars, en 3 coups. On a une putain d'arme là. On va prendre ça les gars. AK. Merde, j'ai plus de balles. No joke, j'ai plus de balles. Voilà alors. Allez, tiens là, toi. Je vais le tuer à la machette. No joke, je vais le tuer à la machette. Oh, tu fais quoi? Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Attendez, 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 les gars. Attendez. Attendez, les gars. On va prendre la hauteur. On va se soigner tranquillement. Il y a des mecs en haut. Du coup, j'ai une... Ah, c'est bon, j'ai des balles. J'ai 8 balles, par contre. Hein. Ok, il y a un mec là-bas. Ok, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu veux t'amuser? Tu veux t'amuser, mon pote? On va s'amuser, on va tester un peu le jeu. On va tester. Ok, d'accord, il y avait un mec juste là. Alors? On aime bien le feu? Allumez le feu, Johnny! Eh, hey, Johnny! Johnny, il est avec nous! Alors? Oh, mais elle est trop bien cette arme! Hein. Ouais, le bruit des armes, mon pote! Tu pètes un plomb! 8 carreaux d'arbalète! Je suis Robin des Bois, mon pote! Merde! Comment ça, et merde? Arrête de crier! C'était le dernier! Putain, voilà! Plus besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop heureux. Le jeu est trop bien, les gars. Le jeu, ça, franchement, le bruit des armes et tout, là, c'est... Voilà, c'est le plaisir. Franchement, c'est le plaisir. On n'a pas perdu trop de points de vie, ça va. Hop. Là, on a quoi? Est-ce qu'on peut fabriquer? R1, on va fabriquer. Ah, par contre, on a bouffé des bandages, du coup. Bah, trop tard, c'est pas grave. Ok, donc là, on a quoi? On a des balles. Lui, il avait quoi? Du chiffon, peut-être? Stérilisant. Super. Super. Voilà, de la petite ferraille. On a plein de trucs à fouiller. Oh, il y a une petite baraque, là. Calme-toi, Deacon. Hé, Deacon. Deacon pas. Lol. Putain, qu'est-ce qu'on s'amuse ici. C'est un let's play fun, hein, les gars. Hein. Clairement, on part sur un maximum de fun. Hein.
En tout cas, je kiffe le jeu, clairement, les gars, je kiffe, je suis en train de kiffer ma race, là, j'espère que vous aussi, c'est beaucoup trop incroyable ce qui se passe. Il avait un fusil canon scié, arme principale. En vrai, vaut mieux que je garde celle-là, hein. Elle est vraiment bien, cette arme. Un chiffon. Et par contre, j'ai que 8 balles, c'est grave, ça, par contre. C'est grave d'avoir que 8 balles, hein. Ok. Non, ça m'intéresse pas. Ah, d'ailleurs, lui, je l'ai pas... Oh, ils ont des balles, eux. Ah, munitions pour pistolet, d'accord. D'ailleurs, je vais recharger. Non, j'ai bien rechargé mon pistolet. Ok. On va fouiller vite fait, les gars. On fouille vite fait, ensuite, on va à la quête. De la ferraille, du chiffon. Tout ce qu'on aime, les gars. Tout ce qu'on aime. La ferraille, et puis... ouais, je viens de me répéter, en fait. Super. Hop, de la ferraille encore. Hop. On a les générateurs qui sont ici. Ok, on a trop de trucs. Ok. Allez. On va réparer ça. Générateur. Réparer l'alimentation électrique de la tour. Bah, c'est ce qu'on fait. Avant d'actionner l'interrupteur, on va aller tout en haut parce que je sais, à moins que l'interrupteur soit en haut. Et il y a moyen qu'il soit en haut. Je vais pas activer l'interrupteur, je vais aller en haut. Parce que bien évidemment, hein, vous le connaissez. Vous connaissez la musique. Je vais activer l'interrupteur et bien sûr, il y aura des mecs qui vont arriver en quoi, en mobilette, tout ce que tu veux mon pote. Ils vont commencer à me vénérer. Je vais devoir les tuer, donc on va d'abord en haut voir s'il n'y a pas des munes, s'il n'y a pas un coffre, s'il n'y a pas des trucs intéressants. Par contre, wow, le temps qu'il met à monter là... Allez, Dicon. Et la machette, par contre, c'est très fort, hein. C'est mieux que la hache. Hein. On avait testé la hache, là, c'est... La machette, tu mets 3 coups, c'est terminé, mon pote. On rigole pas. Allez, s'il te plaît, ramasse. Le petit chiffon. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Mon Dieu, je vais m'énerver contre toi, mec. Elle saute d'un coup, mec, c'est pas haut. Pas du tout. On descend. Par contre, niveau des balles, les gars, le jeu a l'air d'être hard. Hein. Niveau des balles, frérot, j'ai cuit balles. Hein. Je suis en mode normal, j'ai cuit balles de Daka sur 15 mecs que j'ai tués. C'est assez chaud. Hein. Et puis, mais j'aimerais bien garder mon ancien sniper, en fait. Bon, ça, après, on verra, je pense, mais... j'aimerais bien garder mon ancien sniper et le mettre dans ma caserne, tu vois, que je puisse utiliser l'arme que je veux. Voilà. Si t'avais des balles, tu m'aurais déjà flingué. Je me trompe. Je vous en prie. Si j'ai le choix, j'évite de tuer des femmes. Est-ce que j'ai le choix? J'ai rien du tout. Et nulle part où aller. Ok. Voyons s'ils avaient un bunker souterrain dans les parages. Ouh. Ça m'a l'air pas mal son arme. C'est quoi la différence? Là, elle est de niveau 1 et celle-là, elle est de... celle que j'ai, elle est de niveau 2. Ah, il y a aussi des niveaux d'armes. On va prendre celui-là, on va reprendre... On a des munes normalement qu'on a dû déposer là-bas. Regarde, hop. Et là, il me dit il y a des entrées de bunker, donc on va trouver une entrée de bunker aussi. J'ai déposé où tout à l'heure mon arme? Normalement, il y a des munes, si je dis pas de conneries. Il doit y avoir mes munes de tout à l'heure. Hop. Espérons qu'il y ait des munes là-dedans, là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, 7 balles. Je sens que ce sniper, il va être tout bonnement incroyable. Ok, j'ai encore... Bah, du coup, j'ai que 7 balles. C'est un plaisir, clairement. Et c'est pas grave, on va y aller comme ça. On va y aller avec ça. Là, il faut fouiller le bunker. Le bunker, où est-il? Je pense pas que ce soit par là. C'est peut-être là où... Ouais, non, c'est pas par là, je pense pas. Je pense que c'est de l'autre côté, là où il y avait encore des petits trucs de l'autre côté, là, par là. Ah merde, c'est vrai, j'ai de l'endurance.
Par contre, je m'en souviens plus comment... voilà, se mettre comme ça, mais contre un arbre ou autre. Je me rappelle plus, genre. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Bon, bref. Là, on a quoi d'intéressant? On a rien, mais il y a peut-être le bunker. Maintenant, le bunker, il est de l'autre côté. Mais quel con! En plus, je suis nul, les gars. Il est obligatoirement là-bas. C'est parti, les gars. Je sens qu'il va y avoir encore de la fight. Ça me plaît. Ça me plaît, mec. Ok, c'est par là, apparemment. Le bunker. C'est peut-être ça, en fait, le bunker. Hein? Une trappe. Le voilà. Ah. Ah bah ouais, du coup. Mais on est déjà rentré là-dedans. On n'avait rien vu. Ah si, bah du coup, il y avait une trappe. Ok. Bah, let's go, hein. Let's go, faut faire gaffe de pas passer à la trappe. Putain, mais trop de blagues, hein. Trop de blagues dans ce let's play. Hein. Franchement, faut mettre un like, les gars. Là, maintenant, dès maintenant, vous mettez un like si vous en êtes là. Là, mettez un like, les gars. Franchement, c'est la meilleure chose à faire. Pour aider, n'hésitez pas à partager aussi, parce que c'est un let's play complètement incroyable que je vous propose. Ouh, oh, mais il y avait plein de trucs ici. Il se mettait bien. Une carte, bien. Au trésor. Hey, XP, on va bientôt monter, je sais pas, de niveau. On va bientôt atteindre les 100% en tout cas. Camp de Copland, bien évidemment, de la confiance. Faut avoir confiance en moi. Virée imminente. 7% de chasseurs de camp ennemi. Oh, chasseur, ok, d'accord. Et voilà, les gars, voilà. Ah, il y a des plans de fabrication. Ah, c'est pas mal. Batte à pointe. Oh, ça a l'air de faire mal, ça. Plan de fabrication et plan de récemment. Ah, très oh bien. Ça peut servir. Oh. Dès que tu oh penses, c'est peut-être rien, mais j'ai cru entendre des moteurs de bécane. Ça avait l'air de venir de la montagne. Je viens de finir de libérer la tour radio pour Copland. Je vais l'escalader pour voir s'il y a quelque chose de suspect. Ok. Et j'y suis déjà allé en plus en haut. Incroyable, on peut créer des objets du coup. Incroyable. Hein. Attends, on peut créer ça où, du coup? Compétences, combat à distance, survie. Ah, y a des compétences aussi? Ah, j'ai un point de compétence. Permet de tuer des ennemis plus petits après avoir échappé à leur prise. Non, j'ai pas envie. Capacité à réparer les armes de mêlée avec de la ferraille. C'est pas mal, ça. Augmente la récupération et la durée du cocktail d'endurance. Non. Combat à distance. Capacité à activer la concentration quand vous visez avec une arme à projectile. Améliore la votre. Ouais, survie. On va mettre survie. Augmente la durée d'affichage des icônes de survie. Les plantes s'affichent sur la mini-carte. Vous donne une chance de récupérer certains carreaux tirés avec l'arme. Allez, on va prendre ça. Hein. Donc vous visez, appuyez sur R3 pour activer la concentration. Ouais, c'est pour... Ok, va ralentir, ce qui vous permet de réussir les tirs plus précis. Ouais, c'est un peu... Ouais. C'est un peu comme dans Red Dead, hein, sans vouloir vous... Pour ceux qui connaissent Red Dead Redemption. On a quoi? On a scénario... Inventaire. Fabrication. Cocktail Molotov. Ah. Et batte à pointe. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Piquet de clôture. Ah oui, on avait déjà des trucs à... On avait déjà des trucs. Hein. Ok, on avait déjà pas mal de petits trucs. Bref, on se casse. On va rejoindre Boozer, il a l'air de... Ouais. Il faut... On va se barrer, les gars. Attends. Voilà. Arme stockée. Aucune arme stockée. Comment ça? Comment ça, aucune arme stockée? Moi, je veux stocker des armes, en fait. Hein. J'aimerais bien stocker des armes, non? Ok, tant pis. Je sais pas comment... Bon, on s'en bat les couilles pour le moment. Je verrai ça hors live. Hors let's play. Passons. On va aller rejoindre Boozer parce que j'aimerais pas qu'il se fasse tuer. Hein, ça me fera un peu chier.
Oh putain, on doit remonter quoi, mais non. Mais non, Deacon. Hey Dick. Deacon, il dit con. Malheur dans ton assiette. C'est rien, je me suis juste laissé surprendre par une drifteuse. Heureusement, elle était à court de munitions. Il l'a laissé partir. Ah là là là. Oui, ok, merde. Je l'ai laissé partir, et quoi? C'est 4, Dick. Tu vas te faire tuer à cause de tes principes. Ouais, bah, c'est vrai, Dick, t'étais un peu con. Pour l'autre. Peu importe ce que ce sera, terminé. Et donc là, je le rappelle, le but de ces deux personnages, bien sûr, alors, c'est de se barrer dans le sud. Ce que vous avez entendu. Vous avez raison, il y a quelqu'un sur la montagne. Je vois la fumée de leur feu de camp. Putain, merde, je savais bien que j'avais entendu un truc. Ils sont où? Je vais y aller. Non. Putain, mais non, mec. Il faut laisser guérir ton bras pour qu'on puisse foutre le camp d'ici. Je vais m'en charger. Merde. Ok. C'est juste que je deviens ma boule là-dedans, Dick. Bon, on va aller s'occuper d'un autre camp, du coup. Il viendrait dans ta direction. Super. Le plaisir. Le plaisir de s'occuper d'un autre camp. Hein? On va aller tuer des gens. Ça va être cool. Allez, c'est parti. Oh, ça me tue, ce truc. Trêve de plaisanterie. Ah ouais, en fait, fallait juste que je monte à la tour et bim, mission terminée. Putain, si c'était si facile comme ça, ok. Je dois garder Boozer en vie. Ah. Il y a peut-être des sortes de... Comment dire? Des sortes de choix à faire, peut-être, dans le jeu, hein. Parce que... Oh. 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 Nouvelle compétence. Améliore votre précision quand vous visez avec une arme projectile en vous déplaçant. Capacité enchaînée. Ouais, ça, c'est pas mal. Je vais prendre ça. R2 pour lancer une attaque. Maintenez. Oh, mais ça, je sais. Ils me prennent pour des cons, les gars. Oh là 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 là. Allez. On se casse. Parce que s'ils disent objectif, garder pouce d'or en vie, c'est qu'il y a moyen qu'ils crèvent, tu vois. Si je fais le con, il y a moyen qu'ils crèvent, tu vois. Donc, à voir. Hein. À voir, à voir, à voir. Comment on va se débrouiller? On va essayer de pas tomber du coup. Maintenant on sait qu'on peut tomber. Et facilement. J'accélère même pas et la moto va hyper vite. Ok, non, c'est bon. Hop. Allez, allez les gars. Copland. Ça y est, c'est réglé. La tour radio est sécurisée. Et la liaison radio est rétablie. Bien sûr. Tu vois peut-être aucun intérêt, Saint John. Les radios libres au Régon est la seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages. Non, Cope. La seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages, c'est la bouffe. Essaye de pas manger pendant 3 jours, tu verras. Quand on crève de faim, il n'y a plus de batterie qui tienne. Eh bien, mon cher, j'espère que tu te trompes sur ce point. Terminé. Tiens, viens là, toi, bim. Radio libre au Régon. Il y en a pas mal. Je suis en chemin pour le camp Carpéré, au nord du monde. T'as une idée de l'endroit où tu vas? Bah non, on sait pas, gros con, à ton avis, si. Boozman, t'avais... Se battre ou faire peur, vaut mieux prendre ses jambes à son cou si vous avez assez d'endurance. Ah! T'as raison, ils se sont installés le long du chemin de fer. Tue ces enfoirés jusqu'au dernier. T'inquiète, Boozer, on est là, c'est on est là, frère. Programme. Terminé. Oh, il y a une meuf. Il y a une meuf, là, non? Ouais. Et leur campement, il est juste là. Ça va et toi, frérot? Attendez, parce qu'il faut que je vois vraiment la commande en mode s'accroupir et glisser. Ah, c'est ça, les gars. C'est ça, les gars. C'est le rond enfoncé qu'il faut faire. Ça va être très compliqué, les gars. Ok, il y en a déjà 2, il y en a 3.
Ok, 4. Pour l'instant, 4, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a des mecs juste à côté, par contre, des zombies qui sont juste à côté, là. On va tâcher de ne pas... Regardez, il faut faire ça, en fait. Voilà, c'est là. J'ai compris la technique. On va tâcher de pas faire les cons. Hein. Wouah, ouais, mais vas-y, le campement qu'il y a, quoi. Les mecs, ils s'installent, il y a... Il y avait un mec en même temps. Regarde le nombre, mais ils sont beaucoup trop. Je vais jamais réussir là. Je vais annoncer, je crois. Hein. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Cramez tous! Ah, c'était une grenade, putain. Moi, il me fallait des cocktails Molotov. Ramez tous! Allez, crame! Il est touché! Bien sûr qu'il est touché, il est même mort. On va essayer d'en tuer un petit peu comme ça. Toi, tu meurs. Ok, il m'a pas vu, je crois. Si, il m'a vu. Il m'a fait mal. Waouh, waouh, waouh. Et je parle pas trop, je suis vraiment désolé. Et je me suis grave concentré dans cette game. Enfin, dans ce fight, je suis vraiment désolé, les gars. Oh non! Non, un piège à loup! What the fuck? Ça c'est le genre de truc qui arrive. Qu'à moi, tu vois. Oh là là, incroyable. On va utiliser ça. Oh putain, je me prends un piège à loup, mec. On va essayer de tous les tuer comme ça, les gars. On a encore un tout là-bas. Les zombies, ils m'ont beaucoup aidé, hein, par contre, là. On dirait pas, mais ils m'ont beaucoup aidé, quand même. Il y en a un autre tout là-bas. Ouais. Ouais, regardez, il y a eu quand même pas mal de petits kills, hein, fait par les zombies, on dirait pas, hein. Hé, hey, merci, les potes. Enfin, ils servent à quelque chose, ces bandes de cons. Ils veulent me courir dessus ou quoi, là? Non, c'est bon. Ah, ils sont en train de tous se faire tuer! Bon, c'était le dernier. Ah bon. C'était le dernier, j'ai rien fait! Sur le mont Oliri. Les zombies, ils ont tout tué! Les zombies, ils ont tué tout le monde! Les mutants ou zombies ou tout ce que tu veux! Frérot, ils ont tout fait! J'ai jeté des grenades de loin, j'ai tué deux mecs, je crois, trois mecs. Peut-être de loin. Et voilà. Et comment finir une quête facilement, les gars? Allez, venez, les gars, venez. Merde. Pourquoi il a pas de silencieux? Ah, mon silencieux. Le camp de squatter. Ok, d'accord. Maintenant, ils tueront plus personne sur le mont. Fais chier. Dick. J'aurais dû être là. Être là pour t'aider. Il y a plein de loups, mec. Allez, reste tranquille, Boseman. Repousse-toi. On roulera vers le nord quand on braille. Ah. Ok. Ouais, d'accord. Ah. Terminé. Ils sont chauds, les loups, mon pote. Les loups, ils sont archi chauds, mec. Tu sors? Non. Ouais. Mais bah attends, Boozer. Voir si je peux pas trouver la cage de Léon. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Contente-toi de te reposer, Boozer. On file vers le nord dès que tu pourras conduire. Au nord. Ouais. Hey, toi, hey! Tiens, bouffe ça, toi! Des coups de machette! Il est où? Tiens!
Saleté de putain de loup, là. Il m'appelle toutes les deux secondes. Boseman, non. Tu sais bien que je partirai pas vers le nord sans toi. Ouais, je sais. Je suis juste un peu à côté de la plaque. Avec des mais oui, mec, t'as bu ou quoi, là? C'est pas étonnant. Ouais. Oh là là. Bon. Charge-toi d'Alvarez, si tu veux. Nick. C'est important pour moi. Je ferai attention. Mec, il est en train de dire, c'est important pour toi, pour moi. Donc, genre, et juste avant, il y a un maximum de... Un putain de piège à loup, quoi, en même temps, quoi. Il peut pas me laisser, il m'appelle toutes les deux secondes, ça fait... Franchement, il m'appelle toutes les deux secondes. Ok. On va les fouiller. Ok, ça, on va garder notre... Quoique, on a... Que 4 balles. Je préfère prendre la K en vrai. La K fait mal. Ah, on peut voir la différence. J'en ai ras le cul de voir des drifters débarquer dans mon camp et buter des gens comme si on était dans le No Man's Land. Qu'est-ce qui se passe, Cope? Un type est arrivé. Oula. Complètement défoncé. Il a vidé son chargeur et il s'est tiré. Mais non. Il m'a dit, il y a un réservoir rouge sur sa moto et il portait un casque de motocross argenté. Ok, si je pars maintenant, j'arriverai peut-être à l'attraper. Je le veux vivant, Dick. Vivant? Vivant. Rappelle-moi si tu le chopes. Il est mal cherché pour le pendre, ce fils de pute. Il est temps qu'on monte. Bah, j'espère que c'est... Drifter, qu'on fait régner ouais. L'ordre dans ce camp. Oui. Je sais, Copland, je sais, frérot. Il est vénère de ouf, hein. J'espère pas que c'est Boozer, hein, les gars, parce qu'il y a moyen, hein. Boozer, il est un peu bourré du cul, là. Il est assez chelou, tu vois. C'est un délire. Tiens, dégage, toi. Oh là là. Putain, elle faisait trop de bruit, celle-là. Elle faisait trop de bruit. Allez, on prend ça et on se casse, là. Entre l'autre qui est bourré et l'autre qui chiale parce qu'il y a des gens de son camp qui meurent... excusez-moi, les gars. Moi, je suis en train de je suis en train de m'amuser tranquillement, là. Pied de chaise. Mais c'est de la merde, ça. Ok. La machette... Ouais, la machette durabilité. Dégâts. Ouais, bah ouais. Morceau de bois, bah on va prendre ça, hein. C'est mort pour la machette, elle va bientôt se casser, donc autant prendre un autre truc. Je regarde si j'ai pas loupé quelques petits trucs. Ah, je suis en mode... Eh, mais... L'homme qui se prenait des pièges à ours toutes les deux secondes. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un... Tu sais, c'est un truc que tu peux prendre, tu vois. Mais je suis vraiment abruti, genre. Je rentre à chaque fois dedans, quoi. Bon, allez, on se casse. On se casse. On va rejoindre... Oh, mais on a une hache ici. Bah tiens, voilà. Oh. Ça, c'est fait, mon pote. Alors, vas-y, rejoins... prends ta... Eh, mais il est triso, mon perso. Il est triso. Alors, que je regarde... On a quoi à faire sur la map? Alors, on a une mission, on a complètement défoncé, localisé, donc le drifter, celui qui a tué tout le monde. Et sinon, chercher la réserve de médicaments de Léon. Ah, donc oui, le fameux Léon, celui qu'on a tué au début, là. En fait, il avait une réserve de cachet, qui était très importante, qu'on devait ramener, du coup, en plus, à un mec, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais on devait lui ramener un... On le connaît pas encore, mais bon, bref. On devait ramener, du coup, ses médocs... à ce mec qu'on connaît pas trop, je sais pas d'où il vient, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom chelou. Je sais pas si vous vous rappelez, bon, enfin bref. Et donc du coup, on va fouiller cette réserve. Ok, moi je suis chaud. Moi je suis archi chaud, hein. Fouiller cette réserve, je suis archi chaud. Mais bien sûr, tout ça se passera au prochain épisode. Ouais, voilà, c'est ça, je vous hype un peu, les gars, c'est comme ça, écoutez. Voilà, le fond vert, il fait... ouais, c'est pas grave. Allez, voilà, c'était Spuffy pour vous servir. J'ai bien kiffé faire cet épisode, on a pu plus se battre et tout. Il lui arrive quoi au fond vert, là? Bref, passez une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. C'était Spuffy, comme d'habitude, pour vous servir. Et je vous dis... Ciao, ciao.